Ouais, l'intro veut pas se lancer. On va faire comme ça. Hein. Ça vous va? Et hop! Tu me demandes souvent, mais pourquoi tu mets que des victoires sur Smite? C'est tout simple! C'est grâce à ce magnifique tapis de souris qui m'offre 80% de chances de plus de victoires offert par Moonbreaker! Ah ouais! Alors, c'est vraiment un tapis de souris. C'est le tapis avec la souris. Mais c'est la taille du tapis, quoi. Tu connais pas Moonbreaker? Tu connais pas Moonbreaker? Comment c'est possible? Moonbreaker, déjà, on a fait une vidéo dessus avec Usgu. C'est un jeu au tour par tour avec des figurines collectionnables et modifiables. Tu peux mettre toi-même tes propres peintures dessus. Tu as différents généraux qui ont des pouvoirs aléatoires choisis au début. Donc oui, ce jeu est vraiment, vraiment super sympa. Et donc voilà, je vous laisse avec justement mon autre moi qui va vous faire lui du smite. Ah bah oui, bonjour. Mais vous êtes là? J'avais envie de jouer Bastet. Versus une Loki. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, je tente des choses, vous voyez, parce que. Et bienvenue. Bienvenue sur numéro 1 des youtubeurs français sur Smite, en duel, etc. Malgré un niveau pitoyable. Voilà. Je m'amuse. Je m'éclate comme un petit fou à faire de la connerie comme ça. Ok, une Loki. Loki, Loki, Loki. Ouais, le choix était compliqué. Le choix était compliqué de qu'est-ce que je voulais prendre. Loki, ça invade. Ça invade très clairement. Logiquement, ça devrait m'invade. Donc je mets une ward assez lointaine, je vais faire. Mais pourquoi mon 3 est pas parti? Ah oui, parce que à chaque fois je me loupe sur mon 2. On est face à un Loki qui invade pas? Waouh! Chance! Chance, chance, chance. Donc ouais, d'habitude je fais double buff, mais face à ça, j'ai pas envie. Je suis pas sûr que tu gagnes ce fight, mon grand. Ok, à part si tu fais ça, bien sûr. Oh! Ah, ok. On est sur. Il part sur un Nidor First Item, pourquoi pas. Avec. J'ai hâte de voir ce que ça a donné son Nidor. Il a un peu plus de gold que moi grâce aux 2 millions qui sont là. Mais c'est tout. Au niveau de la vie, vous en rendez compte, on lui met un peu plus cher. Il a une purif. Ah oui, par rapport à mon ulti. Par rapport à mon ulti. Au niveau du stuff, on va rien faire de vraiment. Ah, il a pas fait son blue buff. Regardez. Au niveau des golds, on est pareil. Il a son speed camp sur lui. Donc, il a pas fait son blue buff. C'est comme ça qu'on peut analyser. Gold, pareil. Niveau XP, ouais, il manque mes 2 millions. C'est tout. C'est tout pour le moment. Le mignon, quand il crève comme ça. Oh non! Non! C'est vrai que c'est dur la vie des mignons quand même. Hein. C'est vraiment très très dur. Donc il va pas pouvoir. Ok. Voilà. Je vais lui répondre. Slash R. Need more time. On va voir ce qu'il va me dire. Parce qu'on n'est pas un salaud, hein. S'il a besoin de temps pour ouvrir son colis, tout ça, qu'il le fasse, hein. Qu'il le fasse. Ouais, on fait partie des gentils. On fait partie des gentils. Enfin, 5 minutes. Slasher. Oh, gros! 5 minutes! Je vais pas attendre 5 minutes quand même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais quelle est donc cette magie noire?
Hop, t'as pas besoin de 5 minutes pour récupérer un colis. Ah. C'est bon? Ah, dommage. Par contre, non. Je te barre pas, hein. Je te barre pas. Voilà, hop. Moi, je veux bien son bœuf bleu. Super. Super, super. Comme ça, là, le mec, il a pas de bœuf bleu. Ok, il peut avoir un rouge, mais ça, c'est pas gênant. Ok, je sais pas ce qu'il m'a ramené. Je n'ai aucune idée de ce qu'il m'a ramené. Juste courir. J'ai pas besoin de faire plus. Il a pas son dépush. Donc ça... Voilà. Allez. Et on va se barrer là-dessus. Ouais, il peut pas dépush ça. Comme ça, moi, ça me permet d'aller faire mon speed camp. Il a pas assez, je pense, pour faire le rouge. Il va se chier dessus, il va pas aller le faire. Quoique. Comme là, je le vois pas. Il me dit qu'il a peut-être rush. Ou il a peut-être rush mon bleu. Oh, bon, bah, il a fait le. Est-ce que c'est assez long? Allez, le chat! Ok. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, j'aurais peut-être pu. Bon, c'est mon jump pour aller plus vite. Et ça me permet, vous voyez, de faire mon buff bleu. Ce qui va me donner du cooldown. Voilà. On peut aller faire des petites mignonnettes aussi. Ça, c'est toujours utile. La quantité de mana que je bois avec ce DS. On est level 7 tous les deux. Son buff bleu va pas tarder à réapparaître. Il est parti faire son speed camp. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Oh, j'ai pris l'aggro des trois merdes derrière. Ça c'est. C'est pas très très facile à faire celui-là. Si je peux lui voler son buff. Ok. On lui a mis un bon poke. On lui a mis un très bon poke. Hop. Ça, c'est le principe de Bastet, c'est que c'est insupportable. Ça te poke, on continue. On voit ça. Quand ça va faire son buff, et si jamais il vient, il meurt. D'accord, il vient pas. Ça me va très très bien. On continue à prendre le buff bleu. Et on va continuer à farm. Hop. Là, c'est vraiment. De toute façon, on est sur une game de farm. On est Bastet, on joue face à un Loki. En late game, il va peut-être mauvaise, tiens. Il va sur du lifesteal, mais te dire normal. Ouais, pas de bleu pour toi, mon grand. Comment ça? Ah oui, il est passé par derrière, d'accord. Le coquin! Le petit coquin. Quoi, j'ai loupé? Complètement. Ready to strike.
Quoi? Ah putain! J'ai failli crever quoi. Parce que son... J'avais oublié que son... Comment ça s'appelle? Son nul cripple quoi. Oh, un bon poc. Un bon poc, un bon poc. Mourir du chat, c'est quand même la pire mort. On va se barrer. Tant pis pour le bœuf rouge. On a tous les deux notre dévoreur d'âme. Je vais pas prendre d'armure, pas pour l'instant. On va les faire. Faut qu'on fasse notre jungle en soi. Parce que si on la fait pas, elle est perdue. Ok. Je veux bien avoir de la vitesse de déplacement. Ça, ça me plaît, ouais. Lui, il a rush le buff rouge, on est d'accord. Moi, je vais rush mon buff bleu. Ça m'étonnerait qu'il ait eu le temps de le faire. C'est-à-dire qu'un lucky buff rouge, ça fait toujours peur. Ah, il a speed. Ok. Bon, ça fait moins peur, justement. Le poc. Oh. Je vais arrêter de... Hop. Il va arrêter d'esquiver mes spells là, ça commence à m'énerver. Ah, il a déjà de l'armure. Ok. Super. Oh, bah on a un très très bon lifesteal au final. Vas-y, mignon. Fais le chier. Jusqu'au bout. Il y a le buff rouge, je m'en doutais. Je m'en doutais complètement. Hop. Je savais pas quand il aurait pu venir le faire en soi. Il y a son... Ah, bah oui, lui il est parti sur son buff bleu, je pense. Ok. Pas encore. Hop. Voilà. Une bonne chose de faite. Donc là, on le domine complètement au niveau du contrôle de la jungle. Mais... Ok, j'aurais pu le combattre en soi. Mais j'arrivais pas à balancer mon jump sur lui. Ce qui était ma foi fort dommage. Oh, Mazette. C'était pas très très précis ça. Bon. Niveau conso mana, c'est pas génial. Hein. Niveau mana, je suis pas... C'est pas florichon. Hein. Ok. Bah voilà, perd ses 3 millions, il n'y a pas de problème. Moi je vais faire mon buff bleu. Pour le moment la game se passe très très bien. J'ai toujours pas tué, ça c'est le problème. On va se barrer. On laisse la lane se mourir un peu. Matraque du bagarreur. Tout date. Faut qu'on récupère. Lui, il va aller faire son speed. Je le connais. Je suis dans sa tête. Est-ce qu'il va nous falloir un Hydra, nous aussi? Est-ce que ça peut être quelque chose d'envisageable? Il a son plastron de valeur. Moi, j'ai déjà ma pénétration. C'est beau quand ça fait ça. Mais c'est vrai que le placement de valeur pour la CDR, ça peut être intéressant. Hein. Donc j'y pense. Cute and cuddly, just like you.
Je cours parce que comme ça moi je me fais pas toucher par son hydre à la con. Hop. Ok, deuxième actif. Bon, maintenant on sait ce qu'il a. Ah, il manque un peu de dégâts pour le dépush. Parce que l'hydre, c'est très bien. Mais tu manges quand même, tu manques quand même vachement, vachement de dégâts, quoi. L'hydre, c'est pas mal, mais... Ça manque. Ça manque de dégâts. Tu fais des dégâts, comment dire, avec une auto-attaque, tu vois. Mais c'est... Hop. Mais bon. Alors que la transcendance, ça te file de la mana, ça te file à peu près tout ce dont t'as besoin. Oh, je veux bien ce petit buff, tiens. Un petit buff rouge. Continuons. Les dégâts que j'ai pris comme un con. Si je pouvais toucher ça à chaque fois là. Hop. Quelques dégâts. Ah, je te vois. Hein. Enfin, j'ai pas touché une seule fois mon spell correctement. Mon 3. Genre je l'ai pas cripple une seule fois quoi. Ce qui est assez désastreux. Ce qui est complètement désastreux. Ça dépêche pas tout. D'accord, ok. Oh, j'ai 3000. Faut pas lui dire. Hein. On peut aller se faire la lane. On va pas se faire la lane, on peut se faire le buff, pardon. Parce que justement, je dépêche la lane. Ça m'emmerde que l'ulti de cette saloperie cripple. Alors, on va prendre donc justement ça. Et puis là, je sais pas vraiment ce que je vais prendre. Et comme deuxième actif, c'est pareil. Donc lui, il a pris de l'anti, il a pris une barrière. Ce qui est ma foi logique. Hein. Hop. Ce qui est ma foi complètement logique. Peut-être qu'un hydre aussi pour moi ça peut le faire. Voilà. On les regroupe tous. Où tu es mon grand? Il m'a fait zéro dégâts quoi. On écoute. Ok, bon bah niveau... Je suis mort. Ah, je pensais que mon actif était parti alors que pas du tout. Ouais, il me faut de l'armure maintenant. Un petit plastron. Un petit plastron de valeur. Hop, on one shot. Je perds ma tour, je perds le rouge, je perds beaucoup de choses. Je perds mon avance. Il a des millions, non? Il est full vie. Il aurait pu faire mon phoenix aussi, hein, je pense. Il va falloir que je m'achète... Ouais. Les dégâts que j'ai pris là, sur cette dernière action, je suis assez... C'est assez angoissant. je le poke. Mais dès qu'il est à portée, c'est terminé, quoi. Ok, voilà. Va falloir que je le respecte. Va falloir que je me mette à le respecter. Sur son ulti, un égide, je pense que ça peut vraiment le faire. Un égide amélioré. Qui envoie les dégâts. Non, par contre, je veux pas de ce buff. Je veux de celui-là, ouais. Super.
Est-ce qu'il se fait un boule démon? Il peut, hein. Et comme je l'ai dit, un égide amélioré. Égide, t'es où? Ici. Et si jamais je veux t'améliorer, je l'améliorerai de suite. Pour qu'il fait l'explose et fasse les dégâts. Déclenche une explosion. Nickel, c'est celui que je veux. Celui de droite. Voilà. T'es mort là, mon grand. Je sais pas ce que t'as branlé, mais t'es complètement mort. Je sais pas ce que t'as branlé, mais t'es complètement mort. Il me permet justement de prendre ta tour. Anti-immortel. D'ailleurs, je vais aller me faire le boule démon. Vu que là, les minions devraient avoir ce qu'il faut pour prendre la tour. J'espère. Voilà. Donc là, il perd beaucoup de choses. Hein. C'est son tour de ne pas me respecter. Et de mourir. Nickel chrome. Je prends un hydre aussi. Parce que comme c'est des combats au corps à corps, ça peut vraiment le faire. Ça peut vraiment, vraiment aider. Il y a le rouge, vous pensez? Je l'ai eu. Ready to strike. Oh, je l'ai eu. C'est marrant. C'est marrant que je l'ai quand je le vois pas. Ok, c'est chaud. Hein. Bah ouais. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce qu'il fait? Il devient full YOLO. Ok. Je pense pas que tu le gagnes. Voilà. Je l'ai gagné avec mon égide justement. J'ai gagné le fight grâce à mon égide. Qui a graffé le café. Qui a permis de faire les dégâts. Ouais. J'étais sûr de pas mourir. En plus j'étais sûr de le tuer quoi. Et ça c'est une très très bonne chose. Hop. Et on va juste se barrer. Ah, il revient à la vie. Is alive. Il est tout vénère. Hein. Il est tout vénère, le monsieur. Nice. Et maintenant une potion à 500. On est bien. Est-ce qu'il va aller se faire un boule démon? Je suis pas sûr que l'hydre soit vraiment une bonne idée, mais. Je me dis que ça peut le faire. Là, il est sur le boule démon. Non, il était sur son buff. Alors, attention, est-ce que... Ah! Ah. Là, il peut pas me rattraper. Ah.
Oh, je suis trop con. Trop con. Il a fait le tour. Hydre, c'est de la merde. On va vendre ça. Ça me sert à rien, il me faut de la puissance. Il me faut vraiment de la puissance. Qu'est-ce qui pourrait être fun en puissance? L'hydre en a, c'est vrai, mais... Est-ce que Titan, ça serait pas mieux? Ou un écraseur? 45 de puissance, 55 de puissance. Non. Non. J'ai déjà... Ça, ça me paraît pas mal. Ok. Bon, il a rien gagné sur ce kill en soi. J'ai gagné un petit peu plus de temps, il a gagné le buff rouge. Mais il n'a pas fait boule démon. Est-ce que j'irais pas me faire un petit boule démon? Honnêtement. Et t'es mort. T'es mort. Arrête. T'es mort, t'es mort. Accepte. Et ben on a bien fait d'aller se faire un petit boule démon les amis. Ça nous a biffé, ça nous a permis de gagner la game. Voilà, la malédiction du boule démon. Je ne comprends rien à cette game. Je ne sais pas pourquoi on a gagné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que d'un coup il est mort. Peut-être parce que j'ai trouvé mon... Là. Un gars plutôt sympa. Un gars plutôt sympa. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps là pour lui. Je sais pas ce qu'il voulait que je fasse. GG. What is your MMR? Please. On va voir s'il va me répondre parce que je suis en train d'essayer de voir au niveau des MMR comment ça se passe. Played like shit, nice game. GG. God knows. En gros, Unplayed duel in a wild. Ok. Ouais, bon, il veut pas me le donner, moi, j'ai 1357. Just make a list, wanted Poseidon. Ah, ah, ah. Ouais, il voulait jouer Poseidon, donc j'ai bien fait de le ban, vous voyez. J'ai vraiment bien fait de le ban, ouais. Alors, mon MMR, en fait, est descendu en flèche. Mon MMR a descendu en flèche et j'ai combattu contre des mecs qui avaient 2000 MMR, ce genre de choses. Là, je vois que j'ai gagné 14 points en plate, alors que quand je perds contre quelqu'un qui a 2000 MMR, je perds 35 points ici. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire une liste de contre qui je combats, combien je gagne, combien je perds. Et puis voilà. Et à la fin, au bout de, on va dire, d'un mois de jeu, je pourrais voir si jamais j'ai raison de me dire que le matchmaking, c'est de la chiasse immonde. Ou si c'est juste moi qui me fais une idée. Mais pour le moment, j'ai gagné 100 MMR. Donc c'est-à-dire que cette personne doit avoir, je dirais, 1500 à peu près. Là, ça va être difficile. Je vais mettre point d'interrogation. Voilà. Bon, une petite gueule. J'espère que ça vous a plu. Hein. Ben, bien joué, Benzé. Un moment cringe. Et toi, si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like. Faut que je refasse cette vidéo. Et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Merci de regarder cette vidéo et à bientôt sur le champ de bataille. Like, feed and kiss.